Bienvenue dans ce nouveau test de rasoir, marque allemande, design 94, avec le modèle titanium original. Donc ici, l'étui de transport. Donc on aura des photos de plus près après. Je ne sais pas si c'est du cuir ou simili-cuir. Donc à l'ouverture, là, on voit bien l'intérieur. La mousse a été coupée avec la forme de la tête pour bien caler le rasoir à l'intérieur. L'intérieur, c'est pareil en fait, ça prend la forme du manche. Voilà pour info. Donc voici au premier abord, de toute façon comme à l'habitude, hein, il y aura les vues de plus près après. C'est un rasoir 3 pièces. Voilà, comme ceci, avec la lame, comme à l'habitude, la treillis carbone que je vais installer de suite. Voilà. Rien de compliqué pour mettre la lame. Vous voyez, hop. Et il n'y a plus qu'à serrer. Et voilà. On ne serre pas comme une brute, ça sert à rien. Lame chargée. La brosse qui vient de tremper. Poil synthétique, tuxedo, ficelade. Voilà. Le savon à raser pour les 120 ans de la boutique de chez Viano. Voilà, Aconeo. De toute façon, je vous mettrai les liens en description. J'ai fait la vidéo il y a quelques années. Voilà, senteur chocolatée. Je voulais du chocolat. Je voulais utiliser le savon Argal de chez Barbier Doc, dont j'ai l'après-rasage. Le savon, je l'ai prêté. Voilà, je m'en souvenais plus. Mais du coup, ça fera avec celui-ci. Allez, c'est parti, birotage. Donc, comme à l'habitude, je vous mettrai tous les liens en bas de la description, juste en dessous de la vidéo. Voilà, bon allez, c'est parti. Pour les caractéristiques du rasoir. Donc ici, c'est un bloc de titane usiné pour faire ce rasoir. Donc l'original, c'est la version manche long. Donc le manche, il fait 11,6 cm. Poids total du rasoir, 96 grammes. Voilà. Donc, ce qui fait quand même, comme on vient de le dire, un manche long. Mais qui existe aussi en différentes versions. Donc, soit avec un revêtement en or 24 carats, un revêtement en argent, mais aussi une version manche court. Je crois de tête, c'est 2 cm de moins. Je crois que ça fait 9,5 cm la longueur du manche. Voilà pour les petites infos. Donc le design, on est plutôt sur un design moderne. Et la marque a voulu faire un rasoir premium. Le titane, je pense qu'on le sait, c'est un métal qui est très cher. Et l'exposition de la lame, comme on peut le voir, donc c'est une exposition, je dirais, plutôt standard. Ni agressive, ni faible, ouais, si on peut dire ça comme ça. Faut que je vous partage ça quand même. Je ne sais pas si on l'a entendu, le chien aboyait dans la vidéo pendant le blairotage. Et je suis parti voir, on est dimanche. Pour info, hein, je fais souvent les vidéos le dimanche. Et je dis là, il y a quelque chose. Je descends comme ça. Torse nu, la brosse à la main et tout ça. Je vois une voiture. Bon, c'était un livreur. Amazon qui livre le dimanche. Ça, c'est pas la première fois. Mais du coup, j'ouvre la fenêtre et pas le choix. Et je dis, excusez, je suis en train de me raser, quoi. Voilà. La petite histoire à la con. Allez, c'est parti. Première passe. Sens du poil. Donc, au premier abord. Ça fait quand même un rasoir avec un manche bien long. Le diamètre aussi, hein. J'ai pas pris le diamètre, mais c'est plus gros en fait qu'une, on va dire qu'un diamètre standard, quoi. Donc sur le coup, ça peut être déroutant en fait.
fait, c'est une question d'habitude. Puis moi, j'ai pas forcément des grosses paluches. Donc pour l'instant, tout en douceur. Bonne efficacité. Là, je dois avoir une barbe voilà, un jour et demi. C'est-à-dire que là, je pense qu'il doit être 13h30 et j'ai dû me raser le dernier coup, c'était vendredi soir, vers 18h. On va pas chipoter non plus. Et voilà, première passe. Impeccable pour une première. Allez, c'est parti, deuxième passe. Travers du poil dans ce sens. C'est parti. Donc ça fait quand même, par rapport à son gabarit, quand même un poids léger. Et pas la peine d'appuyer. Ça sert à rien. Même si on sent que c'est léger. Bon, en même temps, 96 grammes, ça fait quand même un poids, quoi. Mais ça va. Après, pour info, le titane, c'est... Comment on peut dire? C'est le métal, ouais, j'ai perdu le mot. C'est le métal le plus lourd des métaux légers. Voilà, pour info. Toujours en douceur. Et voilà, deuxième passe. Toujours bien pour une deuxième passe. Ouais. Allez, c'est parti. Dernière passe. Contresens. Donc je vais revenir. Ah, quand même, ça fait un manche bien imposant. Et bien en fin de compte, avec le poids du rasoir, ça se fait oublier. Ça reste quand même une bonne prise en main. J'éprouve pas en fait de difficulté par rapport à ça. Ça a pas mis une barrière. En fait, quand je l'ai déballé, je dis wow, ça fait quand même un truc imposant pour un rasoir. Et au final, le titane, la légèreté fait que ça passe. Et en fait, la marque, elle a comparé le poids avec le même, mais si il aurait été en inox, en fait, il aurait fait 156 grammes. Et là, ouais, ça commence à causer, quoi. Mais comme j'ai dit, il existe aussi la version manche court, 2 cm en moins. En fait, j'ai vraiment pas de difficulté. Même la prise en main, elle se fait bien en fait. C'est peut-être ça en fait, hein. Prise en main, la légèreté par rapport à la masse du rasoir, au volume. Peut-être tous ces facteurs qui font que. Et voilà, pour finir, contresens, je vais faire quelques petites retouches. Parce qu'il y en a besoin, mais sinon pour l'instant impeccable. Je me suis fait des retouches pour un résultat impeccable. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je le répète à chaque test de rasoir, j'ai un poil dur, ce qui donne quand même un facteur un petit peu défavorable pour les rasoirs en général. J'utilise une lame treat carbone depuis plusieurs années, c'est ma lame favorite. Voilà, c'est une lame douce, elle me convient très bien pour ma peau et mon poil.
Ce qui fait que j'ai quasi un résultat de près. Quelques petites broutilles, un petit peu dans le cou, mais vraiment des broutilles pour dire quasi un résultat de près. Ce qui pour moi est un rasoir super efficace, intéressant, mais à la fois aussi doux. Doux dans le sens que il n'y a pas, personnellement, je ne ressens pas de sensation de la lame sur la peau. C'est dur à sortir. Parce qu'il y en a aussi pour tous les goûts. Il y a des personnes qui aiment bien avoir le contact de la lame sur la peau. Voilà. Je le dis régulièrement, le rasage tradit, c'est surtout une histoire personnelle. C'est une expérience personnelle en fonction de soi. Voilà. Maintenant, je pense un petit peu avoir tout résumé durant le rasage. Ce que je n'ai pas dit, c'est autant, à mon avis, un rasoir pour débutants, pour intermédiaires, pour confirmés, c'est un rasoir pour tous. En termes de finition, je pense que pour moi, on est sur un fini satiné pour ce modèle, pour l'original. Voilà. Maintenant, le titane, je n'y connais pas grand-chose en termes de finition. Est-ce qu'il existe des finis polymiroirs? Je ne sais pas. Donc, si je ne sais pas, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais c'est juste pour info. Après, c'est quand même un rasoir qui respire une finition de haute qualité quand même. Faut le souligner. Il y a du boulot là-dessus. Et ça reste du massif. C'est un bloc qui est usiné. Du coup, ben, le manche, il est plein. Voilà. Pour résumer, voilà, c'est ça. Ce rasoir m'a été prêté par Rasage Classique, pour info. Donc, qui m'a demandé si j'étais intéressé pour tester ce rasoir. Voilà, j'ai regardé, voilà, j'ai dit oui, ça m'intéresse. Et ça, c'est vraiment cool, une fois de plus, d'avoir un prêt de rasoir. Ces derniers temps, c'est vrai que j'en ai eu par les abonnés. D'autres aussi qui vont arriver, mais ça ce sera plus pour 2023. J'ai encore reçu des propositions. Donc si jamais, si ça te dit, si tu as un rasoir qui n'est pas sur ma chaîne, voilà, si ça te dit de m'en prêter un, je suis pas en train de faire du blocus, il faut me prêter. Non, c'est pas ça. C'est que si ça te dit, mon adresse mail dans la description. Bien sûr, je suis comme tout le monde, il y a des marques qui sont moins attirantes, voilà, ça c'est comme ça. De ce fait, si j'ai une proposition que c'est une marque qui ne me plaît pas, eh bien, je vais refuser, voilà, tout simple. On est quand même en droit de dire oui ou non, pas faire la fine bouche non plus, mais au moins les choses elles sont claires dès le début, voilà, comme ça, la messe est dite. Cela dit aussi. Sur la chaîne, il y a un petit peu tous les budgets, petits, moyens et gros. Voilà. Il faut respecter ça. Merci bien. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je réfléchis un dernier coup. Non, c'est bon. Ouais. J'ai tout dit. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. Merci de jeunage et bon rasage. Ciao.